Beaufour-les-Plages, une des villes les plus avancées en Méditerranée, jouxte Sanary, Olioul, La Seyne et se situe à 10 km de Toulon, la préfecture du Var. Cette commune périurbaine s'étend sur 2710 hectares et compte plus de 33 000 sifournaises et sifournais. Un climat méditerranéen y règne, avec plus de 300 jours de soleil par an. Le tourisme et l'activité industrielle sont les secteurs majeurs de Sifour. Les armes de Sifour portent la coquille Saint-Jacques, ombrée de sable, signe de ceux qui marchent vers Dieu, symbole d'éternité. De nombreux hameaux qui gardent l'architecture des temps jadis. Ils ont pour nom entre autres la Sardine, Curéba, Cambou. Thank you.
La batterie du Cap Nègre se dresse entre la baie de Sanary et la rade du Brusque. Elle est construite en 1695 afin de protéger le littoral toulonnais convoité par la marine anglaise. Louis-Philippe la réorganise entre 1846 et 1850. Son armement comporte alors 6 pièces d'artillerie et une soixantaine d'hommes habitent l'étage. Entièrement restaurée en 1999, la batterie du Cap Nègre abrite diverses expositions, maritimes pour la plupart. L'île des Ambiers, située à 10 minutes de bateau du port du Brusque, s'étend sur 95 hectares. On y découvre des pinèdes, des vignes, des jardins fleuris, des plages discrètes et des calanques sauvages. Ce petit paradis, réservé aux piétons et aux cyclomotoristes, est racheté par Paul Ricard en 1958. Cet homme de mer crée, 8 ans plus tard, un institut océanographique pour lutter contre toute forme de pollution marine. Cet établissement, qui domine le port des Ambiers, présente un large panorama de la faune et de la flore de la Méditerranée occidentale. Thank you.
L'île des Zambiers est idéale pour les adeptes du yachting et du motonautisme. Des régates y sont programmées durant la saison estivale. Le port de plaisance Saint-Pierre abrite 730 bateaux et constitue un merveilleux abri naturel. La plus grande partie de l'île, laissée à l'état naturel, permet aux nombreux touristes d'apprécier la nature dans de magnifiques balades. L'île sauvage et protégée du Grand Rouveau s'étend sur près de 6 hectares. Elle appartient au Conservatoire du Littoral depuis l'an 2000. Un phare d'une portée de 37 km y est érigé au 19e siècle. La Maison du Patrimoine domine la lagune du Brusque. Elle abrite deux galeries d'exposition thématiques qui accueillent des artistes régionaux et nationaux, ainsi que des foires aux santons, des crèches de Noël et les journées du patrimoine.
L'île du Gaou, chat en provençal, est située au bout de la lagune du Brusque. C'est un lieu de promenade et de détente qui présente un panorama de la flore méditerranéenne. Depuis 1997, la municipalité de Sifour organise le festival Les Voix du Gaou, qui présente des concerts rock, jazz et reggae. En 2004, on a pu applaudir, entre autres, The Cure, Eddie Mitchell, M et Garou. La chapelle Notre-Dame de Pépiole serait la plus ancienne d'Europe. Elle daterait du VIe siècle, avec des aménagements au XIe. Elle sert successivement de prieuré, de camp retranché, de forteresse, d'oratoire et enfin de chapelle. Restaurée par les bénédictins, la chapelle Notre-Dame de Pépiole est à ce jour le siège d'une communauté de pères blancs. Notre-Dame du Mai, qui culmine à 360 mètres, est au début du XIVe siècle un lieu de guet destiné à prévenir les populations de la présence de navires ennemis. La chapelle, lieu de pèlerinage, est construite en 1625 sur cette montagne de Sissier. Elle est agrandie au XIXe siècle afin d'accueillir les grandes foules lors des épidémies de choléra qui sévissent dans la région. La façade de Notre-Dame du Mai, appelée aussi Notre-Dame de la Garde, a été restaurée en 1995. Thank you.
collégiale Saint-Pierre, classée monument historique depuis 1839, est située sur une colline de 210 mètres. Une première chapelle est édifiée au 5e siècle sur l'emplacement de constructions gréco-romaines. Elle est remplacée par une église romane au 11e siècle. À cette époque, l'ouvrage est au cœur d'un village protégé des invasions barbares par de solides remparts. Au XVIIe siècle, il s'enrichit d'une partie gothique plus importante. Le fort militaire, qui jouxte le monument, sera construit en 1775. Les habitants du vieux Sifour descendront dans la plaine à partir des années 1790 et établiront, petit à petit, les premiers contours de l'actuelle commune. La collégiale Saint-Pierre accueille de nombreux concerts classiques ou lyriques, et le culte y est célébré lors d'événements importants. La maison du Cygne date de 1901. C'était la résidence des directeurs d'une tuilerie implantée dans le bois de la Coudoulière. Son créateur, le sieur Romain Boyer, avait choisi le Cygne comme estampille professionnelle. Le port de la Coudoulière avait été construit dans la foulée pour permettre l'expédition mondiale des tuiles qui se faisait alors grâce à des tartanes. La tuilerie ferme ses portes en 1967. En 2001, la municipalité de Sifour la transforme en salle d'exposition d'art contemporain. Derrière la maison du Cygne se trouve un jardin pédagogique.